la dame qui est atteinte d'un cancer du sein et son époux est d'Alzheimer. Elle ne pouvait pas laisser son époux seul à la maison, donc elle ne pouvait pas suivre son traitement pour son cancer. Et donc notre intervention, ça a été simplement de pouvoir, donc déjà on a rencontré cette patiente à domicile, comme on vous l'a dit, infirmière, médecin, avec son époux. Et ça a été d'organiser un accueil de jour pour son époux, au moins 2 jours par semaine. Maintenant c'est 3. Donc elle a pu avoir des soins, elle a pu se traiter parce qu'on a pu rencontrer une certaine respiration. Et puis c'est surtout qu'on a revu cette patiente 4 fois déjà. Elle est toujours prise en charge dans le réseau. Hein. Elle est pour l'instant en rémission de sa maladie, donc de son cancer. Et on a pu rencontrer à 2 reprises, d'abord que sa fille et puis après sa fille et son fils. Donc on a pu avoir une discussion. Donc avec monsieur, madame, le fils, la fille, l'infirmière du réseau et moi-même, et on a pu avancer déjà tout ça, sans être, bon voilà, en prenant les précautions, mais en disant, bon ben voilà où on en est, là votre papa il a accueilli 3 jours, votre maman elle est en rémission, mais il faut anticiper. Mais ça a pu se faire parce qu'il y a une relation de confiance, parce qu'il y a eu dans la durée, on a revu cette patiente, on a pu mettre en place certaines choses, et cette patiente... Elle est en rémission, on est un petit peu plus en retrait dans la prise en charge. Son époux est bien, bien accueilli, tout roule. Et puis elle nous a appelé il y a 2 semaines en disant, il y a ma sœur qui se marie, donc sa sœur qui doit avoir, nous entendons, 70 ans. Hein. Mais bon, sa sœur se marie fin août, et elle me dit, est-ce que vous pouvez m'aider parce que mon mari ne peut pas venir. Donc ça a été le rôle du réseau. Ben, j'ai recontacté le gérontologue qui suit son mari en disant, ben voilà. Madame part, est-ce que c'est possible d'accueillir son mari 1 semaine, le temps qu'elle puisse aller au mariage? Donc, mais tout ça, ça a pu avoir lieu et ça peut se passer facilement parce qu'on a travaillé, on a rencontré, on a... Voilà, ça c'est un des exemples.